Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, les crocodiles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reste à la maison avec Titi parce que maman avait très envie de passer une petite journée avec lui. En plus de ça, il est un petit peu malade. Et moi, j'ai des rendez-vous cet après-midi, donc je ne pourrais pas aller le chercher à l'école. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Tu dis au revoir. Au revoir. Tu fais avec la main au revoir. Au revoir. Les chéris, il faut absolument que je vous montre ma nouvelle valise. Je vous avoue que j'en suis très fière. D'ailleurs, la dernière fois, il y a une dame qui est venue me voir à l'aéroport qui m'a dit « Mais c'est quoi votre valise ? Elle est magnifique. » Et sincèrement, elle est magnifique. Et en plus de ça, elle est ultra pratique. Parce que comme vous le voyez, vous avez un petit compartiment ici qui est détachable où vous pouvez mettre votre ordinateur. Et vous avez juste en fait à clipser. Voilà, c'est ultra facile. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça génial. Elle a une forme assez particulière. Elle est plutôt carrée en fait. Elle n'est pas comme toutes les valises. Et alors franchement, on peut mettre des tonnes de fringues dedans, ce qui va super bien pour moi. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur, mais en tout cas, franchement, je suis trop contente. Enfin, une belle valise qui va tenir dans le temps parce que c'est une super marque. Elle est ultra, ultra solide. Vous voyez, vous avez du coup les petits cadenas, la petite clé et tout. Donc, ça pratique aussi. Et l'intérieur, voilà, elle est super bien pensée. Vous avez du coup ce petit compartiment là où je mets mes petites culottes, mes machins, mes trucs, mes chaussettes. Là, vous avez beaucoup de place. Et puis là aussi, vous voyez, vous avez pas mal de place. Non, franchement, c'est une super valise et ça va rester pendant des années. Et ça, c'est cool. Je vais pas devoir m'en acheter une tous les ans parce que j'ai tendance à acheter toujours des valises qui tiennent pas la route. Et du coup, là, je sais qu'elle va me tenir. Je suis trop, trop contente. Donc ça, c'est une super marque. Si vous cherchez une belle valise, je vous la conseille. Et puis, elle est franchement trop belle. Trop, trop belle. Chérie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes Berroquas Énergie. J'ai plus besoin de vous dire, mais c'est une grande histoire d'amour entre eux et moi. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous réexplique. Déjà, vous connaissez la marque Berroquas Énergie que vous avez dû voir en pharmacie et en parapharmacie. C'est une marque de compléments alimentaires où vous allez retrouver plein de bonnes choses dedans dont on a besoin au quotidien pour trouver de la force physique, mentale, notamment du zinc, du magnésium, de la vitamine B, de la vitamine C. J'en ai eu vraiment, vraiment besoin car ils m'ont lancé un défi il y a quelques temps, c'est de monter la montagne la plus haute d'Afrique du Nord, donc le Toubkal. Je vous avoue que ça a été une expérience incroyable qui m'a beaucoup changé sur le plan physique, mental. J'ai réalisé que j'étais capable de faire de grandes choses par moi-même, toute seule. Il y a eu des moments où j'ai cru que j'allais pas y arriver, mais j'y suis arrivée et il y a une Barbara qui est née là-haut, en haut de ce sommet, et c'est une nouvelle Barbara prête à affronter plein de nouvelles choses, prête à faire plein de choses. Et rien que pour ça, je remercierai jamais assez la marque Berroquas Énergie parce que vous m'avez apporté tellement, ça a été une expérience ultra riche. Merci à vous, vraiment un grand merci à vous. Cette épreuve qui a été vraiment, voilà, encore une fois, incroyable, incroyable. Et rien que pour ça, voilà, un grand, 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 grand merci. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le réel, du coup, en partenariat avec Berroquas Énergie, est disponible sur mon feed. Donc allez me bombarder de commentaires, vous allez voir mon ascension du début à la fin. J'espère que ça vous plaira, moi en tout cas ça a été génial, magique de collaborer avec Berroquas Énergie. Encore une fois un grand merci. Et je vais aussi vous mettre par la suite de ces stories une petite vidéo que j'ai montée, voilà, parce que j'ai fait plein de petites vidéos pendant mon ascension. Voilà, je vais vous mettre ça aussi et plus du coup la vidéo sur mon feed, donc n'hésitez pas à commenter tout ça, ça me fera plaisir et j'espère que j'en ai motivé en tout cas pour le faire parce que c'est une expérience vraiment inoubliable et qui va beaucoup vous changer. Voilà, je vous embrasse. Jour 1, 7h. Nous prenons la route vers Imlil, un sublime village apaisant où nous allons laisser notre voiture. C'est là que j'ai croisé le chemin de Mohamed, mon guide, un être aussi charmant qu'une étoile filante, prêt à illuminer mes pas durant ces 2 prochains jours d'aventure. Et ainsi notre marche commence, 6 heures à arpenter des sentiers inexplorés,
Les paysages se déploient, des tableaux à couper le souffle. Quel bonheur de me perdre dans ces décors grandioses, découvrant les secrets d'un pays qui fait vibrer mon cœur. Une alchimie magique opère entre défi et enchantement. On arrive enfin au refuge, accueilli par une température proche du zéro, mais le cœur brûlant de joie d'avoir atteint cette étape tant attendue. Nous découvrons notre dortoir. On est loin des palaces, mais le charme opère. Quelques étirements et hop, au dodo. Jour 2, 4 heures. Le réveil sonne, c'est brutal. Le défi s'intensifie et la marche devient de plus en plus difficile. Les montagnes se dressent devant moi, mais je ne me dégonfle pas. Je ne suis pas du genre à baisser les bras et je veux aller jusqu'au bout. Je sens mon corps qui faiblit. Pause. J'envoie un « je t'aime » à mon fils pour me donner de la force et le rendre fier. 9 heures, ça y est, on y est, enfin. Là-haut, perché sur ce trône de rocher, j'ai découvert une nouvelle version de moi-même. Une Barbara résolue, conquérante et fière d'elle-même. Oui, qu'est-ce que tu veux manger? Des pâtes. Des pâtes pour changer. Petit dîner en amoureux. Les gars, il est 2h30 du matin. Et regardez-moi ce que je trouve. En train de manger mes croquettes. Je comprenais pas pourquoi mes chiens aboyaient. Regardez-moi ce que je trouve. C'est quoi ça, un hérisson? Mon petit cœur. Il était en train de manger les croquettes là. Ça fait un boucan de fou. Je vous dis pas comment j'ai hurlé quand je l'ai vu courir. J'ai cru que c'était un rat. Un petit hérisson, trop mignon.